Cette vidéo a été générée par l'IA Gen 3 de Runway ML et je te montre comment faire. Rendez-vous sur runwayml.com. Ici, dans un premier temps, il faudra se connecter en créant un compte. Une fois celui-ci créé, tu pourras aller dans l'outil de génération de texte, images en vidéo. A noter aussi que tu peux explorer les autres outils disponibles sur Runway ML. À toi de voir. Ici, on va sélectionner notre outil de génération. Et si on veut essayer Gen 3, il faudra sélectionner ici Gen 3 en alpha. Pour l'instant, l'alpha est disponible seulement pour les abonnements payants. Donc même si tu as les crédits offerts juste ici à l'inscription sur Runway, pour l'instant, tu ne pourras que utiliser gratuitement le modèle Gen 2. Pour pouvoir utiliser le modèle Gen 3, comme en introduction de la vidéo, il faudra passer par un abonnement payant, avoir une fois l'alpha terminé. Si Gen 3 sera accessible à tous gratuitement avec les crédits d'essai, c'est pour ça que je te conseille de garder quelques crédits sous le coude si tu veux essayer gratuitement à l'avenir le modèle. En attendant, tu peux toujours utiliser Gen 2 gratuitement, soit en déposant une image et créer une animation à partir de celle-ci. Ici, on pourra par exemple décrire l'animation qu'on souhaite à partir de cette image et générer une vidéo de 4 secondes. On voit que nos crédits d'essai ont été utilisés juste ici. Ainsi, comme tu peux le voir, on a animé à partir d'une image. Et bien sûr, on peut seulement animer à partir d'un prompt. Par exemple ici, on a marqué un prompt, ça fonctionne mieux en anglais. On génère notre vidéo et comme on peut voir, on a notre vidéo prête juste là. Donc voilà, Gen 2 est pas mal, mais c'est vrai que Gen 3, je vais te montrer quelques exemples. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment en générateur de vidéos IA. En attendant l'arrivée de Sora, tu as aussi d'autres IA disponibles pour pouvoir générer des vidéos IA. Je pense notamment à la Dream Machine de Luma, qui en plus t'offre 5 crédits par jour pour pouvoir générer ce que tu as envie. Mais clairement, Gen 3 met la barre haute en attendant l'arrivée de Sora. Voilà pour cette courte vidéo, merci de l'avoir suivi. Je te donne rendez-vous sur le Labo des Réseaux pour tous les tutos autour de l'IA, des réseaux sociaux et de la création de contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.